Salut les amis, c'est Willy et c'est un plaisir de me retrouver aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur les Lego Star Wars, la saga Skywalker. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti! Et cette fois, on part dans nos deux derniers épisodes, et du coup, avec l'ascension de Skywalker. Et ben c'est parti! J'étais toutes les voix que tu entendais dans ta tête. Le côté obscur de la Force donne accès à de nombreux pouvoirs que certains jugent contre nature. Qu'est-ce que vous pourriez me donner ? Tout. Un nouvel empire. Un nouvel empire. Trouve la fille. Termine-en avec les Jedi et deviens ce que ton grand-père Vador n'a pu devenir. On arrive dans 5 minutes. Julio, content de te voir. T'as quelque chose pour nous? Ça vient d'un nouvel allié, un espion au sein du Premier Ordre. Transférez le message, faites-le parvenir à Leia. On va finir par se faire descendre! Bon, c'est bon! Bon, ça commence comme ça. Sortir de là avec tous ces TIE. Oh, au moment où j'appuie, j'explose. Eh, ça commence bien. Allez, dégage. Ah, je peux les détruire, ça. Wow. Oh, on va faire le pilote des. C'est bon, je gère. Je faisais semblant, voyons. Un coup à gauche, un coup à droite. Je suis mort. Oh ouais, oh. Bah ouais, mais non, le jeu. C'est toi qui tires. Alors élimine ces chasseurs TIE.
La 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 la. Et bien le vaisseau, hein, mais très très lent pour tourner. C'est pour ça que je meurs. C'est pas parce que je suis nul, hein. Wow. Ramène-nous à la base. Tu crois qu'il fait quelle épaisseur ce mur de glace ? Allez, passons en vitesse lumière. Ah bah non, on pouvait pas. Qu'est-ce que tu fais ? Les cochers hyperspatiaux. On t'a appris à faire ça ? On s'accroche. Soyez avec moi. Soyez avec moi. Soyez avec moi. Ça répond pas. Oh. Ray, sois patiente. Je vais faire la session d'entraînement. Ok. Je peux y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Récupérer les rubans d'entraînement. C'est bien fait. Ah. Continue, Ray. Mais oui, Ray, on y va. Bah, il fallait me mettre sur mon chemin, ça. Oh! Oh, dommage! Bon, bah ça va encore monter là, peut-être. Là. Tant mieux! Bon. Tu peux le faire. Ouais, mais là, tu bug, meuf! Allez, escalade toute seule! Mais qu'est-ce que tu me fais? Ça arrête la manette? Elle peut pas se balancer! Attends, elle est pétée! Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette angoisse? Qu'est-ce qu'elle me fait celle-là là? Je sais bien que j'ai un problème avec le joystick, mais c'est pas le joystick pour se balancer qui gêne là. Pourquoi elle monte toute seule? C'est un délire. Ah. Aïe, messieurs dames, sœurs, démarre. Mais non, mais pourquoi tu vas en arrière, babèche? Oh, la vérité. Concentre-toi, le joystick. Oh non. Ouh.
tourner. Le truc qui prend 2 secondes, ça va prendre une demi-heure. Regarde, la vérité de Josie qui me saoule. C'est pas grave, vas-y, on part comme ça, on verra bien. Mais, oh. Heureusement, il y a le double saut. Bon, je le tente. Oui, c'était facile. Attends, oh. Je crois que le changement de manette, il s'impose, hein. Tu fais un jeu de guerre ou quoi, du moment que c'est du multi? Bah tu t'aperçois pas vraiment que ton joystick il bug quoi, tu cours dans tous les sens, tu vis, tu tires, voilà. Mais alors là, waouh, on peut pas le manquer, hein. Ok, je vais leur expliquer que mon joystick il bug. Bon, on peut sauter comme un dingue ou... Ouais. J'ai besoin d'une équipe à Sandy ici. J'en ai. Il y a une taupe dans le premier ordre et il nous a envoyé un message. Il semble que Palpatine soit de retour. Il a planifié sa vengeance. La plus grande flotte que la galaxie ait jamais connue. Cachée dans les régions inconnues. Sur un monde appelé Exegol. Luke le cherchait. Il a dit que pour y arriver, il fallait avoir ça. Un orienteur Sith. Je vais reprendre ses recherches là où il s'était arrêté. Le désert interdit de Pazaan. On y va ensemble. Chewie, t'as réparé ce compresseur ? Allez, la fête des ancêtres. Ma carte. Vallée interdite. Je vais partager de nouvelles informations avec vous. Un mobilette! Ah, bah on est déjà arrivé. Mais qu'est-ce que c'est? Ceci est la fête des ancêtres. À qui? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Moi, j'ai jamais vu si peu d'orienteurs. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On parle aux gens. On essaie de découvrir ce qui a attiré Luke ici. Cet ermite bizarre n'arrête pas de plomber l'atmosphère. Il se balade avec son masque et marmonne « Ochi par-ci, Ochi par-là ». J'aimerais bien qu'il s'en aille, Ochi. D'accord. Au plus près, bon. Voilà un des rassemblements de gens les plus bizarres que j'ai jamais vu. Et j'ai assisté aux guerres Ewok du Loc. Mon cou se sent nu. Tous les autres étrangers portent de magnifiques colliers. Où est-ce que je pourrais en trouver un? Mais on s'en fout, quoi. Une petite ambiance quand même, hein. Regardez le ciel et admirez les cerfs-volants au lieu de guetter les vaisseaux du premier ordre qui veulent m'arrêter avec ma famille. Grâce à cette fête, ils ne pensent plus à s'occuper de la galaxie, n'est-ce pas?
D'accord. Vous l'avez peut-être deviné, mais je ne suis pas d'ici. Je vous suggère de discuter avec les locaux. Ils D'accord. Être bien informés. Ça marche. Ça servira à rien. Essayons de demander à des gens du coin. Trompette de touche. Otidi, Nambigima. Elle s'appelle Nambigima. C'est un très beau nom. Moi, c'est Ray. Tu ne peux pas te cacher, Ray. C'est le masque, c'est ça. Je vais te trouver et te faire basculer du côté obscur. On verra ça. Mes chevaliers et moi allons trinquer la pilleuse d'épave. Il faut s'en aller. Retournons au faucon, tout de suite. Leia m'a envoyé un message. Général, permission. Nous cherchons Exegol. Luc et moi courtions un vieux chasseur de relais. Mochi de Bestoun. Il avait un indice qui pouvait nous mener à un orienteur. Il n'y en a eu que deux exemplaires. Nous avons suivi son vaisseau à travers la galaxie. Il était abandonné, près du canyon de Lurch. J'ai un mauvais pressentiment. Nous avons trouvé les fugitifs. Allez. Là, c'est Spider. Oh mon dieu de l'action! Ah, ça c'est un allié. Bon, évidemment. Bon, heureusement qu'il y a des bols, t'es pas dessus, mais ça le touche. Je suis clairement jamais sur la cible. Bon, lui, ouais. Le jeu, il s'adapte à mon niveau. Ah. Faites-nous sortir de là. Cela ne m'inspire pas autant de confiance que vous le pensez, monsieur. On est en train de couler. Oh, en vrai, tu rafales. Là, 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 ça passe. J'ai vu ce vaisseau avant. Ouah, l'équipe de choc. Des sables mouvants. Essayez de vous agripper. Ce supplice n'empêchera donc jamais. Où sont les autres? Trouvons-les. Non, je prends pas la lampe torche, je prends le sabre. Ils doivent être quelque part dans ces galeries. Nous les trouverons, j'en suis sûr. Finn, bon, vous n'avez pas mentionné mon nom, mais moi, ça va. Po, peux-tu m'aider attends, à traverser quoi, là-bas. C'est où? Ah, d'accord. Attends. Ne bougez pas. Ok. Faisons
faisant tous comme si nous n'avions pas senti le sol bouger. Je l'ai senti bouger, monsieur. La ferme, c'est 3PO. J'y vais doucement, on sait jamais. Je veux pas retomber. Oh, wow. Direct, tu connais cet endroit comme ta poche. Ah, d'accord. Alors attends, je t'ai fait tomber une caisse. Ça va t'aider pour faire quoi? Ok, bon bah c'est bon. Je préfère pas savoir ce qui a creusé ces galeries. Si j'en juge par la circonférence des parois du tunnel, il s'agit de... J'ai dit que je préfère pas savoir, du tout. Un squelette. J'aime pas les squelettes. Un squelette, ça ne présage rien de bon. J'ai cru qu'on allait y passer. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Par où on sort? Par là, il faut faire vite. Suivez-moi la compagnie. Ils sont marrants les squelettes de l'Eligo. Je suppose que nous ne sommes pas les premiers à être venus ici. D'horribles choses ont été commises avec ça. Il y a une inscription dessus. Je sais très précisément où se trouve l'orienteur. Malheureusement, je suis dans l'incapacité mécanique de prononcer des mots très difficiles. Quoi? Serpent! Serpent! De mon énergie en lui. Continuons à avancer. On doit trouver quelqu'un qui pourra traduire cette dague. Un droïde qui sert à quelque chose. Un petit pansement et ça retarde. Je suggère que nous revenions tout de suite au Faucon Millennium. Ils doivent être en train de nous attendre au Faucon. J'ai une bien meilleure idée. On ne peut pas voyager dans cette épave. Est-ce qu'on meurt dans le sable du coup? C'est pour la science. Adieu les amis. Non, oh non, oh je suis deg. Oh non. Ouais, oh, sont sérieux. Je veux sortir. Il y a une sortie par en bas maintenant. Piouf. Ah, tant mieux. Bonjour. Salut. C'est bon. T'es avec nous maintenant. Non, merci. Chewie avait la dague. C'était le seul moyen de savoir où est l'orienteur et il est parti. C'est très juste. L'inscription repose maintenant uniquement dans ma mémoire. Ah, ta mémoire? Oui, Maître Po. Je connais un craqueur de droïdes clandestin. Un craqueur de droïdes clandestin? Mais il est sur qui, Jimmy? Thank you.
Bon, je sais ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je connais le chemin. Ok. Enfin, à peu près. Ça fait longtemps. Le premier ordre enlève les gens de chez eux. Espérons qu'ils n'ont pas pris notre craqueur de droïde. Cachez-vous, mais restez proches. Il y a des troupeurs pas loin. Ouvrez ! Ouais, je pense qu'on va aller faire ça. On va aller voir le craqueur de droïde. Puis je pense qu'on arrêtera là pour la première partie. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Attrapez-le ! Et demain, le final ! Ces marcheurs vont nous causer des ennuis. Évite leurs projecteurs. Ça passe. On aura tout le premier ordre sur le dos. L'alimentation de la porte est coupée. On dirait que la cellule d'énergie s'est détachée. Ah bah elle est là-bas. Comme de par hasard. Non mais arrête de te coller au mur. Bon bah il a éteint. Ah t'as tapé dedans. Je l'ai le disjoncteur. Allons-y, je veux pas rester au même endroit trop longtemps. Faufile-toi derrière ces troupeurs et abats-en un. Je m'occuperai de l'autre. Ok. Doucement. Il va pas s'y attendre. Mets-toi à couvert. Ah, j'allais dire, hey, t'es fait quoi fut, t'es fait rien là. Attends un peu. Tu vois ces sentinelles? Tu tires sur un et je m'occuperai de l'autre. Mais reste en arrière, sinon ils te verront. Genre, je les one-shot. Oh ouais, va mon dieu, c'est comment les monter. On a rien vu. Plutôt bien pour l'instant. Fais-moi confiance. Ça va devenir beaucoup plus dur. Une autre porte sans courant. Vérifions les générateurs. Attends, je fais kill. Ok, faut aller me brancher là-haut. Mais il est où le disjoncteur après? Pas le fusil même. Peut-être que la force peut m'aider à réparer ce générateur. Ouais, bah on y va. Bon, en vrai, t'as pas besoin de toucher. Attends. Bon, y'a moyen d'escalader quand même. C'est pas la plus belle des piles, mais c'est pas grave. Un petit bout. Voilà. Ça devrait le faire. Non, c'est pour la prendre la tenue, ça. Et où le fusible? Yeah. Mais lâche ça, mais... Ah! Oh. Mais lâche ça, j'ai dit! Désolé! On essaie de sauver le clé sur les toits. Ça servait à rien de monter en fait. Je sais pas pourquoi. Chuba, des escrocs. Bande de nuls. Premier ordre arrive, cache-toi, maintenant! Hey! Oh, Seigneur, je vous en prie, ne me désactivez pas! Je n'ai jamais vu ces gens de ma vie! Bouge, coton-tige doré, il n'y a rien qui regarde les droïdes ici! Ça, alors? Ou battez-les! Je peux les battre! C'est quoi ça? Appelle au renfort, pile où je me trouve! C'est bon, je les ai battés. J'ai appris qu'on t'avait repéré à la porte du moine. Je pensais pas que tu serais assez bête pour revenir. Je vous présente Zori. Zori, je te présenterai. On a vraiment besoin d'un coup de main. Ça ne compte sans doute pas pour toi. Mais je t'aime bien. Je suis C3PO. Relation humain. Nous essayons de trouver Babou Frick. Des marcheurs, restez groupés. Monte les escaliers.
Restez gloupil. Bon. Encore un disjoncteur. Oh bah. Elle avait une pile dans sa poche. Génial. Attends, Ray, tu peux faire ton truc de lévitation des rochers sur la porte? Tu veux dire la force? Ouais, la force. Alors, tu peux? Allons sur les toits. Le gars, il est pas vraiment mort. Alors, tu peux ou quoi? Oh, je suis de l'autre côté. On se rejoint là-bas. Vous cherchez la fille sur la photo? Oui. Il n'y a aucun signe d'elle pour l'instant. Super. J'ai peur qu'on ait peu de chances de passer inaperçu. Donc nous y arrivons. Allez maintenant. De façon discrète. Oh. Non, il m'a pas vu, il est pas vrai. Ah, c'est le projecteur ça. J'ai cru que c'était un garde. Je sais, bah, vachement vite. Alors, je sais pas par où commencer. Comment aller? Oh bah. Ils sont pas fut-fut hein. Le projecteur il fait quoi en fait? Il fait le tour ou... Ah c'est bien ça. Ah y'a les blats tous. Dans le tort. Hop. Oh lolo, on dirait Snake. Ok, let's go. Qu'il a trouvé quelque chose dans la mémoire cachée de votre droïde. Babou, est-ce que tu peux lui faire traduire ces mots? Mémoire droïde 8. 8, 8. Oh! Qu'est-ce que tu fais, ces 3 PO? Je regarde une dernière fois. Mes amis. Oh là! Le destroyer de Rennes. Chewie! Il est en vie! Il devait être dans un transport différent! Oui, il est prêt! L'orienteur de l'Empereur est dans la chambre forte à Podium, sur une lune du système Endor, depuis la rive sud. Seule cette lame l'indique. Permettez-moi de me présenter. Je suis C3PO, relation humain, cyborg. On partir maintenant. Des autorisations d'atterrissage, n'importe quel vaisseau. Va aider ton ami. Bah c'est tout bon ça. Donc le plan c'est de s'envoler et d'atterrir dans le hangar comme si de rien n'était? Ouais, si ce médaillon fonctionne. J'attends de voir ce qui se passe mais je pense qu'on va stopper là. Oh, et oh. La permission d'atterrir, et ben c'est moi-même. Cherchez Chewbacca. Bon, j'ai envie de le faire quand même. L'épisode sera peut-être un chouïa plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. Peut-être que le final, du coup, bah, il sera plus court. Ouais. Bon, regarde pas comme ça toi. Ya. Yeah.
Cette fois, on rigole plus, d'accord? Influencé. Ah! Merci, monsieur. La dague est là. Nous en avons besoin. On se retrouve au hangar. Ouais. Je ne sais pas où tu es. C'est dur de te trouver. Et toi, c'est dur de te semer. Tes parents n'étaient personne. Par choix. Pour te protéger. Ray, sois courageuse. Tu seras en sécurité ici, je te le promets. Revenez ! Ils t'ont vendu pour te protéger. Non ! C'est Palpatine qui les a fait enlever. C'était toi qu'il cherchait. Elle n'est pas sur Jakku, elle n'est plus là. Alors c'est là que tu es. Allez viens, Chewie est par ici. Bon, alors là, tu me connais mal. Chargez ! Grenade, les jeunes. Ah ! Un coup pour toi, un coup pour toi. C'est chiant parce qu'un coup, il a des grenades, il n'a pas. Ouais, c'est vrai que ça va mieux quand même avec le gun, hein. Évidemment qu'on est venu te chercher, Chewie. Lâchez vos armes immédiatement. Lâchez vos armes. Lâchez-les. Salut les gars. Abattez-les. L'espion, c'est moi. Quoi ? J'ai besoin que Kylo Ren perde. Où sont les autres ? Ils ne sont pas revenus. Trouvez-les. Allez. Pourquoi l'empereur s'en est pris à moi? Tu n'as pas seulement des pouvoirs. Tu as son pouvoir. Tu es sa petite fille. Tu es une Palpatine. Hein? Ce que Palpatine ne sait pas, c'est que nous sommes une dyade dans la Force, Rey. Deux, qui ne font qu'un. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui. Oh, non! Allez, je te tiens. Ils m'ont obligé à les escorter à leur vaisseau. Je vois. L'espion a été démasqué. Bon, bon, c'était rapide la libération de Chewbacca. Pourquoi ils nous poursuivent pas, mais j'aime pas ça. Tout ce qui compte, c'est l'orienteur. Trouver Exegol. Quelqu'un d'autre espère que ça nous mènera à la lune forestière? Non, c'était juste moi. D'accord. Bah écoutez les amis, nous sur ce, on va s'arrêter là pour la première partie. Et du coup, dès demain, 17h, comme d'habitude, et ben ça sera le dernier épisode sur les Lego. On verra combien de temps ça va durer. Bah à chaque fois je dis ça, je dis ouais finalement l'épisode il va être petit, ça fait un quart d'heure, au final on s'est retrouvé avec une vidéo de 3/4 d'heure. Bon, eh ben c'est pas grave. Bon bah voilà les amis, moi je vous laisse sur ça, merci d'avoir regardé, c'était Willy. Je vous fais des bisous, ciao ciao.